Bonjour à tous et bienvenue pour ce match exceptionnel entre le jeune prodige corse Marc-Andrea Maurizi. Salut Marc-Andrea, ça va? Salut, ça va. Et félicitations, évidemment. Félicitations à toi. Oula, par contre, j'ai quelqu'un qui vient dans le call zoom, donc ça ne va pas. C'est pour ça, il faut que je te recadre. Ok. Mais félicitations, moi j'ai pas eu l'occasion de te féliciter, mais bravo, record battu, 14 ans et 5 jours. Ouais, Merci. C'est fabuleux, puis c'est qu'une étape, je pense, non? Tu vises quand même beaucoup, beaucoup plus haut. C'est quoi ton objectif? T'as un objectif ou pas? Non, pour l'instant, je sais pas trop, mais déjà essayer d'avoir peut-être 2600. 2600, ouais, non, t'inquiète pas. Moi, je te les garantis, tes 2600. Voilà. Donc, 2600, et ensuite, moi, je vois certainement plus haut. Donc on est ravis de t'accueillir, tu joues Alan Pichot, grand maître argentin, 2630. Dites-moi si tout marche bien au niveau du son chez Marc-Andrea. On m'a dit qu'il fallait pas dire Marc-Andrea, pas trop. Et au niveau de mon son, donc c'est un match en 8 parties, au meilleur des 8 parties, premier arrive à 4,5 et le match s'arrête à 4,5 donc. C'est du 3 plus 2, s'il y a 4 partout on fait une paire de blitz. Et ensuite, il y a un Armageddon. Voilà, comment tu le sens, ce petit match, Marc-Andrea? Je sais pas du tout. J'avais vu qu'il avait plus de temps. Il avait fait un tournoi, il avait carcé et tout. Ouais, non, il avait pris un Ouais, tournoi. il avait fait un des tournois du Champions Chess Tour. Bon, ça lui a pas trop réussi, hein, mais c'est pas forcément évident. C'est vrai, quand on voit jouer ces joueurs-là, qui en 2630 avec les meilleurs joueurs du monde, en fait, ils ont l'air mauvais, hein. Il fait 2 sur 15, mais en fait, c'est quand même un super joueur. Donc, clairement, ça va être. Moi, j'attends vraiment ce match. Je pense que ça va être très, très tendu. Je m'attends à un match très tendu. Et j'espère enfin une première victoire française, écoute, parce que là, franchement, les 3 premiers ont perdu au premier tour. Je sais pas si t'as suivi un petit peu. Ouais, j'ai regardé. T'as regardé? Donc voilà, on espère une victoire pour toi qui joue maintenant. Évidemment, tu es un pur produit de l'école corse, tu vis toujours en Corse, mais tu joues pour le club de Chartres Échecs où on te retrouvera pour le top 12. Et peut-être, j'espère en tout cas, je fais un lobby très actif hein, pour que tu sois invité au Challenger Chess Tour, où il y a une place pour le Champion Chess Tour, si t'as les dispo, enfin, il faut que ça soit encore officiel, c'est pas encore officiel, mais j'ai eu des promesses. Donc s'il y a une place, on te fera une proposition pour jouer, et moi j'aimerais bien, parce qu'il y a Gukesh là qui a gagné, et qui s'est qualifié pour le Champion Chess Tour, moi j'aimerais beaucoup, et c'est, non seulement j'aimerais beaucoup, mais en plus, ça serait largement mérité, t'as largement ta place dans ce tournoi, clairement. Donc, on espère, on verra tout ça, mais pour l'instant, c'est ce match-là, on va voir. Est-ce que Pichot est en place ou pas? On remercie les corpos qui étaient là hier soir, aux petites canailles. Vous allez voir des photos. Et voilà, c'était très sympa de rejouer un petit peu en direct. On fait un petit tour à de blitz. Et voilà, entre corpos, gagné par Loïc Travadon. Devant Jules Moussard. Donc, bravo à Loïc qui a gagné ce tournoi. Alors, je vais voir si il est en place. C'est avec Vanessa qui produit. Je pense qu'ils ont commencé le show. Et ça va pas tarder. Alors évidemment, on va te suivre. On va suivre du côté de Marc-Andrea. Vous avez la petite jauge à gauche qui vous dit si les blancs sont mieux, si les noirs sont mieux selon l'ordinateur. Mais écoutez plutôt Marc-Andrea, ça sera plus instructif. Clairement qu'une évaluation. Et parfois on voit en blitz, hein, on se trompe. Hein. Malheureusement, Ouais, c'est dur. on fait pas toujours la bonne évaluation, évidemment. On peut se tromper. Alors, on va voir s'il est arrivé. Je crois qu'il est arrivé, hein. Toujours un petit moment de. Non, mais là, c'est bon. Ok, il devrait. Il va jouer son premier coup. On va attendre ça. Alors, tu joues 4 en blitz des 4? Normalement, je veux quand même. Tu joues au 4, d'accord. Ok. Après, ça dépend si, par exemple, si je fais 4 que je vais mal, je pense que j'essaie de changer. Ouais, d'accord, ok, tu vas t'adapter, évidemment. On connaît tout ça.
Et on va voir. Est-ce qu'il est en place, notre ami? Pichot, 21h. Joueur argentin. Numéro 1 argentin, très probablement. Et salut à tous dans le chat, évidemment. Dutch Player, Alex Cocard et Malagasy qui viennent nous rejoindre. Je vais évidemment capturer l'image de Pichot qui n'a pas encore commencé le show. Ok. Je vais mettre un petit coup de pression. On est à l'heure. Pour une fois qu'on est à l'heure, je t'assure que je mets un petit coup de pression. Voilà. Donc s'il y a le moindre problème, hein, je reste. Hein. Je mets le score à jour. Donc s'il y a le moindre problème, tu me dis. Normal. Pour l'instant, je touche du bois. Ready. Ok. Donc normalement, il devrait pas tarder à jouer un coup. Premier pitch shot. Et du coup, je vais te quitter. Enfin, je vais enlever mon son. Je vais te souhaiter bonne chance bientôt. Et c'est joué. Bonne chance, Merci. Marc-Andrea. Donc 4, on va commencer par 5 pour voir ce qu'il peut nous proposer. KF3, KC6. Fou C4, ok. En blitz, j'aime bien jouer plutôt. J'aime bien jouer rapidement en blitz. On met la pression au temps. Et là, je joue H6. C'est un blitz peut être dangereux pour les blancs. Donc là, l'idée en fait, c'est G6 ou G5. Donc là, normalement, ça va être plutôt G6, c'est plus solide. Je joue G6. Parce que je crois que G5, là, il pouvait jouer peut-être cavalier F1. Il pourrait voilà, profiter qu'il n'est pas roqué et la case F5 sera affaiblie. Donc là, je roque. Roque, pour l'instant, c'est classique. La dame en E7. L'idée peut être fou E6. B4, ok. Fou E6 peut être intéressant, je pense. Après, j'ai un mauvais fou. Je joue fou E6 parce que fou E6, il y a fou prend E6, dame prend E6, D4. Mais j'aurais peut-être juste pion prend D4 et le pion B4 affaiblit le pion A4. Et après, là, mon idée, en plus, vu qu'il a joué B4, c'est D5, là, je pense. Je menace D5. Donc, dame B3. Il empêche D5. Donc là. Il empêche D5, quoi. Donc là, je pense tour F8. Tranquillement. Si fou prend E6, dame prend E6. Faut aussi que je joue plus vite parce que j'aime pas être mal au temps de vite. Faut essayer tour en 1. Moi je vais jouer simplement tour des 8 vite. Et là, je sais pas si je le menace. Je pense que oui, parce que les complications sur le pion C3, ça peut être dangereux pour lui. Et là, j'attends de voir ce qu'il va faire. B5, j'ai cavalier A5, toujours. Fou prend E6, je vais pré-move d'un prend E6, parce que j'ai fait tour E8 pour ça, hein, clairement. Après, réfléchis. Mais si je fais D5, je vais être très bien. Alors, ici, un prend E6, dame prend E6, dame prend E6, tour prend E6, D4, puis on prend. Donc, voilà, ça, c'est pas mal joué. Ça peut être un peu désagréable pour moi quand même. Et là, je pense cavalier B8, parce que cavalier A5, cavalier est trop mal placé, ouais, cavalier B8. Là, il va prendre E6. Pion prend, intéressant, et. Non, pion prend pas intéressant. Parce que, voilà, là, C4, il y a là, cavalier D7. Mais cette position, je sais pas du tout. Cavalier C5. Là, il peut tenter cavalier prend E5, tour prendre D4, mais ça ne marchera jamais.
Au pire, il tourne en 4, son cavalier B3. Donc, il tourne D1. Le cavalier qui passe en D7. Donc, celui de C5. Et là, c'est une position très fermée. Ok, cavalier 2, il veut faire cavalier C3. Donc, F5, là, c'est un visage. Puis on prend D4. Ça, je pense que c'est pas mal pour moi. Après, je sais, enfin, c'est pas... enfin, j'aime pas trop cette position, mais ça doit aller, mais... Je vais faire C6. Je sais pas si c'est bien joué, mais je vais pion prend, tour B1. Cavalier B6. Et... En fait, j'ai pas peur qu'il me prenne en C5, parce que... Parce qu'après, je vais pion D3. Donc, là, F5... Il me paraît intéressant, je joue. Pour essayer de créer un peu de jeu dans la position, parce que sinon c'est un peu bloqué. Donc là, tour B1. Alors je peux laisser prendre en C6, il menace rien en fait. Donc peut-être F4, force fou C1. Ou F prend E4. Ah, je pense que cavalier B6, pas mal. Parce que je menace pion prend E4, avec le pion C4 à 20. Pion prend C6, pion prend C6. J'ai 10 secondes de mouvement. Cavalier D2, j'ai F4, je pense. Ok, D2, F4, fou prend C5, tu prends C5 et B3 fou F8. Cavalier A5, je sais pas. Tour B4, j'avais pas du tout pensé. Ok, fou F8. Fou F8 tempo. G7, il servait à rien. Là, je menace D5, hein, je pense. Ouais. Donc, il prend. Mais là, du coup, en plus, je gagne un temps. Et tour D. Okay. Tour D6. Tour D6. Cavalier prend E5, fou G7. Ah, il y a F4. Je sais pas. Cavalier prend E5 peut être problématique, en fait. J'avais sous-estimé. Je pensais que ça marchait pas, mais non, il fait pas. Je pense que c'était pas mal. Je vais revenir. Je vois pas de il faut jouer vite. Donc là, j'ai une mauvaise structure. On voit F7 en numéro final. Roi 2, ok. C'est compliqué comme position. Roi 6. Je place mon roi. Mon cavalier, en fait, je pense qu'il va évoluer à 4, ce que je veux dire, pour déstabiliser. Et là, c'est pas simple pour moi. Sais pas, je jouais. Ouais, c'est pas facile. Je jouais cavalier D7 en prévention. J'aime pas du tout. Il y a tour B1 ou tour B2. Ouais, tour B2. Tour B8. Prise, prise. Tour B1, cavalier A6. Tour B7, tour D7. Peut-être que ça tient encore. Et donc, ça, c'est très bien joué. Enfin... Ouais, donc, je prends. Ouais, c'est dur, là. C'est pas simple. Faut F6, je sais pas quoi faire. Là, je vais perdre, je pense. Trop de temps de retard, il est beaucoup mieux. 6 tour A7, cavalier B8, donc je vais m'accrocher. Hein, A5 fou D8, tour A7, cavalier B8, tour A8, tour D8. Voilà, en fait, il y a tout qu'elle a gagné. Il y a juste cavalier D2, cavalier B3. Il y a tout qui est mieux à sa position. Tour A8, tour D8. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal joué. Roi D7. Oh, C8 et qu'elle prend C5, là j'ai raté. Qu'elle prend C5, fou E7, je pensais. Là c'est fini, puis on prend 4. Je voulais faire fou E7 et roi B7, mais c'est roi C7. Je prends. B7.
Ah, c'est fini. C'est pas le même qui est pour 8, on prend 8, qui est 6, qui est 7, qui est 17. Essayer de jouer encore un peu. C'est fini. Bon, ma seule chance, c'est d'aller chercher. C'est complètement foutu, mais il y a encore des petits trucs. Mais peut-être avec le temps, il peut. Il peut craquer 2 secondes. Prends ça. Ouais, il peut craquer, mais il va pas craquer. F4, enfin. Ouais. Alors, c'est compliqué. Là, je joue 4. 0. Ouais, je sais pas forcément quelle erreur j'ai fait, mais mon lambisque et C3. En plus de gagner. Ah, mais 6 cavaliers de Dieu. C'est longtemps que j'ai plus joué ça. Cavalier 6-6, je pense. J'ai trop. Ça donne des positions très. Faut que j'étais trop mal au temps et ouais, du coup, c'était pas facile. C'était que la première. Fou G2. Donc là, bon, roque. Bon, c'était plus précis D4 puisqu'il y a peut-être 5 là, mais le 5 D3 et tant pis, F4 après. Donc là, normalement, il va jouer fou E7, je pense. D4, puis on prend. Ok, c'est pareil. D4, puis on prend, puis on prend. Fou E7. Ok, fou D7. Et là. Faut. H3. De toute façon, H3, ça sera toujours bon. H3, j'ai plein de fois cette position. Fou 3, roque. Et si je me souviens bien, je roque, le coup, c'est cavalier DE2. Si je me souviens bien. Ah, non, peut-être. Cavalier DE2, il y a B5. J'avais déjà joué ça, je crois, une fois E4. Et là, il y a qui prend D4, vous prenez D4, fou C6. Et c'est. Ça joue, mais c'est. Après, cavalier de B5 à 3. Je n'ai pas trop de fixer. Cavalier à 5, part un peu à l'abordage. Dame 2, protège C4, tour C8, tour D1, cavalier C4, fou C1. C'était magique. Il faut que j'essaie de stabiliser. Après, je joue roi H2, F4, G4, G5. Bon, c'est bien, j'ai plus de temps. Il faudrait que je gagne cette partie pour directement coller au score. Avec Magic, j'ai même pas pensé. Ouais, j'avais pas pensé. Bon, ça n'a pas l'air forcément transcendant, mais vu la position, était un peu compliqué. Donc, cavalier B3. En pratique, c'est pas mal joué ce qu'il y a. Parce que là, j'ai la 4 en play. Et B3, je vais jouer. Je vais prendre. Pas si c'est le meilleur coup, mais cavalier C4, cavalier C4. En fait, c'est, je pense que c'est très bien joué parce que là, je pense, non, je crois, normalement, ça risque pas d'être cette position pour l'instant. Je pense pas qu'elle soit désavantageuse pour moi, mais c'est complexe. Qui prend 5, il prend 5. Et là, dans le calcul, je me suis dit tour 1.
Je vais jouer. B5, dame D3. Ah, là, c'est peut-être faut être précis sur ce coup. Dame D3, il va recycler son quai en D7. Ça va être sur un gain de temps. Un problème, c'est 4. Et là, si j'arrive à liquider, déjà, je serai plus en danger d'être mal. Là, probablement, tour C8, je pense. Dame C7. Dame C7 menace rien. Donc, il faut que je fasse un coup pour me déclouer. Donc, tour D1. Ok, tour D1, il va jouer tour C8. Donc, je vais essayer de calculer. Il va rentrer. Ah, je pense que le coup, c'est tour C1. Parce que tour D1, tour C8, puis on prend fou prend. Je perds C2. Là, tour C1, on peut prendre C4. Voilà, tour C8. Et là, c'est prendre B5. Et là, C4. Fou prend C4, dame D2. Non, ok. Là, je pense que j'ai une bonne position, mais après ça va pas être facile. Je vais prendre D5. Là, qui prend D5, je m'attends. Qui prend D5, fou D4. Fou B4. C'est compliqué comme position. Fou B4. Dame G5, F6, dame G4. Ah, il prend comme ça. Ça, je pensais pas que c'était très bon. Là, je pensais fou D4. Ah, vas-y, fou D4. Cavalier E4. Non. Dame E3. Ça va être dur à gagner, mais bien, j'ai stabilisé quand même. Case E3, elle est bien pour la dame. Je peux pas être attaqué par le fou, non. Ah, bon, enfin, si, mais de base, j'avais vu F4. Après, ça m'a affaibli, mais bon. J'ai pris de l'espace quand même. Mais fois F6, c'est normal. Et là, peut-être C4 malin. C4 peut-être malin. Ou fou prend F6. Ouais, fou prend F6, sachant que s'il reprend du pion, je prends E4. Fou prend F6, qui prend F6. Je sais pas. C4, en intuition, on me dit que c'est le coup. Allez, C4. Je sais pas pourquoi je le joue, mais je pense que c'est bon. Parce qu'en fait, je donne le pion, mais pour ouvrir la colonne C, en fait. Et vu que j'ai la qualité en plus, ben, la colonne C, c'est important. Ah, je perds G3 comme ça, mais il n'y a pas dame. Ah, c'est très compliqué. Dame F2, je vois pas ce qu'il fait déjà. Dame F2, qui est E4, fou prend E4. Ok, dame F2. Je rate un truc peut-être. Je vois pas. Peut-être plus précis, hein, mais. Là, c'est gagnant, mais il va s'accrocher. Tour C2, je profite qu'il n'est pas fou D3. Dame C5, roi G. Si je prends C3, c'est gagné, en fait. C5, roi G, ça c'était vu. E4, tour C1. D3. Fou D3, tour D1. Okay. Et donc G6, et là, juste tour C3, tour C3. Ok, tour 8. Change les tours, tour prend, roi G7, j'ai dame C3 à la fin. Partie était. Bah, elle a fini bien gagner, parce que si je perdais, j'ai assez bien joué, je pense. Donc là, je pense que j'ai pas joué 5. Enfin, ma position, je suis sûr qu'elle allait tranquillement. Mais j'étais un peu sûr. J'ai joué une carocane. En blitz, la carocane, c'est. J'aime bien parce que c'est solide et on peut faire une contre-attaque après. Ah, il joue ça. Ah oui, en fait, il va jouer très solide dans ce match.
cette variante est très solide puisque je peux faire D prend A4 pour jouer l'échange des dames. Bon, je sais que le coup G6 existe. Je suis pas forcément le plus à l'aise en finale, mais je connais pas du tout, mais je me dis que fou G7, il y avait H3 et mon fou il serait. Donc là, fou G7, là mon fou, de toute façon je vais le donner. Et si... Alors, je mets tous mes pions sur blanc. D4, cavalier G7. Ces positions elles sont très très complexes. Fou D3, okay. Là c'est 5 me paraît être. Bon, ça va pas faire rock d'abord, je pense. Rock, rock, C5. C3, cavalier C6. Et ok, je crois que je sais comment je pourrais jouer. Ok, C3, C5, tempo. Je prends C5 et D7, attaque des pions. Ben, en fait, c'est une française sans mon mauvais fou. Et j'ai le fou G7. En fait, soit il peut être très fort si j'arrive à caler un bon F6. Soit il peut être mauvais. Ok, 6-6. Il faut 3. Là, il menace. Les positions après DC peuvent être dangereuses. Donc, je vais prendre. Et ok, là, franchement. Cavalier F5 doit être pas mal, peut-être. Mais je sens plutôt un coup avec F6 quand même. F6, puis on prend, fou prend. Je sais pas, j'aime ça, je suis pas sûr. Pas convaincu. Dame B6, Dame B3. Ouais, Dame B6, je pense que c'est ça. Dame B6, pression sur D4, prépare tour FC8, probablement. Dame A4. Donc il laisse B2. Donc là, il faut calculer. Dame prend B2, tour B1. Tour AB1, Dame C3, Tour B3, Dame A5. Dame, ça, je m'en sors. Dame premier jeu, Tour B1, Dame C3. Je pense que je m'en sors. J'ai peut-être une erreur de calcul. La tour C1, j'ai Dame B6, je reviens à la maison. Donc là, normalement, le seul coup qui peut poser. Fou B5 et Dame B4. Le seul coup qui peut poser des problèmes. Tour FB1 me paraît illogique. Parce que Dame C3 ne peut pas bouger la tour B1. Donc tour AB1, Dame C3 tape le fou. Ouais, fou D2, j'avais envisagé. Mais là, je me suis dit Dame B6. Tour B1, Dame C7. Dame C7 ou Dame D8? Ok, en fait j'ai un pion d'avance, mais c'est pas facile. Ah, il y a fou B4. Okay. C'est une position pas facile à jouer pour les deux. Donc là, faut essayer de trouver un pion. H5, je laisse la case G5 et H5, H6. Ça me paraît mal. Hein, Dame D7. Et je le menace pas, mais il y a cavalier premier 5 dans l'air, mais je le menace pas. Mais voilà, ouais, c'était logique qui s'enlève du vis-à-vis. Tour C7, H5, tour C8. Et là, AG, AG. En fait, c'était plus malin de faire H5. Je sais pas. AG, AG. Donc là, il a la case G5. En gros, soit il me mate, soit j'ai un pion de plus. Hein. Donc les finales elles vont être forcément un peu pour moi. J'ai trop plus. Là, je vois peut-être cavalier A5. Mais non, je pense pas. Cavalier F5 est jouable. B6, il y a fou B5, peut-être. B6, fou B5. J'aime pas être. B6, fou B5, dame D8. Ouais, B6, en fait. Ah, B6, fou A6, intermédiaire. Tour B8, fou B5, dame D8. 6. Si j'arrive à échanger les 4 tours,
L'attaque, elle ira plus nulle part, je pense. Ah, il fait fou B5 dans son solaire, je comprends pas. Faut gagner du tempo. Ah, il y a fou G5. Fou G5, K A5. Là, je me laisse K A5, en fait. Je prends A14. Dame A4. Là, peut-être cavalier A5. K A5, t'en prends C7, t'en prends C7, faut prendre A5, puis on prend A5. Et, ok, j'ai un pion de plus, il est stérile, mais ça me permet d'échanger, ou alors je suis matérialiste. Mais je sais pas. Facile à prendre, je trouve. Non, je pense que je vais être en difficulté sur ça. T'en prends C7. Est-ce que, bon, sans le piège, j'y passerai jamais. Je voulais tenter de torquer en C7 pour qu'il prenne A5 et torcer 1 à la fin, mais ça a rien tenté ça. Tenter. Ah oui, peut-être c'était mieux quand même. Bon, là, il faut prendre A5, c'est. Enfin, je pense. C'est ça le coup. Enfin, ce coup, c'est le meilleur coup, je pense. Parce que torcer 1 à K, c'est 4. Donc, il faut prendre A5, puis on prend A5. Fou A6. Il faut que je fasse attention parce que mon pion F7 il peut être très très faible à cause des fois 8. Et là, je pensais dame C2. Dame C2, dame prend C2, tour prend C2, fou prend 5, pion prend 5. Tour. Bon, écoutez. Ah, dame C2, dame D7. Non, il y a la tour bien, je vous tente. Dame prend C2, tour prend C2. Bon, fou prend 5, pion. Ah, non, il y a fou prend 5, il y a tour prend 2. Ah, fou B4. Donc, prendre des fois 4. Ça, c'était calculé. Donc, à 4. Okay. J'ai plus de temps. Disposition, elle est dure à jouer. Tour C3, je sais pas quoi faire. J'attaque. J'ai 2 tours à 3, j'attaque son pion. J'ai plus de temps, je sais pas quoi. B5. Et bien, je veux fois 8. Tour B3, tour prend 7. Voilà, putain, cette partie, ça va être cruel. Roi G7. Elle est trop mal, autant. Tour B4. C'est dur de commenter. Fou E8. Et comme j'avais dit, ça joue juste sur les cases blanches. Ouais. Tour prend D4, fou prend F7. Ok, prend F7. Je m'attendais pas. Non, je m'attendais pas du tout. Bon, là, le pion est trop faible. Après, je peux tenter une contre-attaque qui peut marcher. Parce que roi F3, j'ai fou pour E5. Et c'est beau ça. Ah, il a vu. Il a vu. Voilà, du coup, tour A6, cavalier F5. Tour F3. Cavalier G6, bon, je sens, c'est du coup. Assez simple à jouer pour moi. Tour A7, hein. D4. Je vois le pion au charbon, fou F8, fou C4, ah, je suis pris de partout, D3, roi 8, ah, c'est fini, fou C4, fou E4, fou K8, tour A8, roi D7, fou D7. Bon, mais c'est complètement gagnant. Il peut se vendre une fourchette. Ouais, mais je peux même pas faire une fourchette, ok, il est bloqué. Là, c'est complètement fini.
Je joue pour vous. La F6. Ça vient de lui donner cette commune. En F6, D6, F5, F5, F7, D7, D7, F8, F7. F6, F7. Cette signe. J'étais beaucoup mieux, je pense. Je me suis trompé de partie. De Dans l'Inde, c'est bien passé. Ok, change lui. F4, je vais à l'ancienne. Il va avoir un intéressant, il faut B5 échec. C'est pas très. Enfin, ça arrive pas quand même. C4, on place le fou en D7 qui m'a bien placé. Et là. Faut que je me souvienne que le coup c'est des cavalier F6 5 prise risquée J4 prend F7 reprend F7 E6 c'est la rente. Après on échange en D7, on a une meilleure structure de pion. Ok, E6. E6. Bon, alors on va réfléchir. F5, je vais prendre D5. U7, F5. A3. Le fou en D7, il gêne, hein, parce qu'il a une différence, je pense, qui est des 4. F5, je vais prendre. Je sais pas trop quoi faire. Une fois du coup, je sais pas. C'est limite le B5 et le D5 sur gain de temps. Rock et Roche. Aura forcément mieux placé en chien dans tous les cas. Et pour voir ce qu'il fait. Donc là. Voilà, c'était la tour B1, je pense. Tour C8, fou 3. C'est tour B1, c'est pour. Protéger le pion B2, ce qu'il pouvait avoir du B4. Cette position, je sais pas trop. Ça m'a l'air purement jouable pour moi, mais ça me semble qu'il y a avantage pour les blancs, quoi. Ok, F5. Je vais prendre. Dame en D2, c'est le coup classique. Okay. D5, ok. Ouais, c'est. J'ai mal joué. Parce que là, il y a cavalier prend, je crois. Ouais, j'ai très mal joué. Parce qu'en fait, E5, je me suis mis dans la vision.
Et Fougien, ah non, j'ai pas bien joué. Ok, prendre des 5. Prendre des 5, faut prendre des 5, d'en prendre des 5. Et c'est avantage noir. Avantage noir, avantage noir. Bon, je vais m'accrocher. C'est trop. Faut que j'essaie de. Non, tu as la nulle. Bon, c'est avantage noir, mais ici. C'est un peu solide pour moi quand même. Voilà, le fou F2. Le fou F2 en G1. Je sens qu'il est en G1 parce que on va mettre du couloir. B1 SR. Et là, bon, l'idée c'est C4. Ouais, il y avait le pion, donc dame c'est. Après, c'est. Il est mieux, mais c'est solide quand même. A4, bien joué. Fixe. Moi, j'ai rien à faire. Peut-être je prépare D4. Moi, je vais force C4. Si je peux. Ah, il veut faire H4, H3. Bien joué ça. Je n'ai pas le choix. Enfin, je sais pas. Peut-être C4. Parce que H3 c'est très. H3, cavalier G3, roi H2. Mon pion F4 va sauter, je crois. Et du coup, le fou était beaucoup mieux parce qu'il avait. Ok, D4, H3, DC, pion G2, roi G2 et H4. Ouais, je sais pas, C4. Le fou. C'est prendre B5, H3. Enfin, en tout cas, je peux rien faire contre. Je voulais te prendre. Voilà, je suis trop content, je suis trop fouillé. Je vais prendre G2, reprends G2. Encore, j'ai rien en moins, donc c'est. En fait, le clouage, je crois, il va être mortel. Juste, il faut juste qu'il trouve comment. Ah, fou T4, très bien joué. Dame prend A4, fou prend F2, tour prend F2. Donc, peut-être. Menace tour A4, enfin, je menace. Je sais pas, dame C4 tempo. Faut jouer tout ça. Dame B7. Dame B8. Ok. Cavalier B5. Facile. La pion prend G2, roi prend G2. Dame B7. Tour G1. Ah, c'est fini. Il y a juste. Il y a gain de qualité, crois. J'ai 4 secondes en plus. Je prends. G4, je sais pas. Je prends je me bats, hein, mais. Minute que je devais réfléchir. Là, je vois le pion H. Grosse gaffe, j'ai ton idée. Ok. Tour H3, ok, prends H4. Tour H4, tour D1.
c'est clairement mieux pour lui, mais... Parce que ce que je fais, fois x8, voilà, ouais, c'est quoi mon ligne? Fois 4, tour c2, roi f3, 3 minutes, roi 4, et juste il monte le roi, le quai f5, il est trop. G4. Pas facile. Bon, il faut gagner. Faut essayer de recoller à 3. E4, C5. Il faut gagner 6, E6, puis on prend E4, K6, K6. Je pense qu'il va bien connaître. Mais... Attends, je vais passer la route. Attends. Mais ça, je connais pas bien. Il va connaître, c'est sûr. C'est dans F3. Dame C7, Grand Roque H5. Là, je sais pas si c'est bon, mais Dame prend C6. Je préfère Dame prend C6 clairement, parce que puis on prend C6, j'ai la colonne B. Mais j'ai plus la possibilité de jouer B5. Et mon centre est fort, mais pas être faible. Parce que d'un pouce ici, je garde la position. Et voilà, moi, mon idée, c'est B5, fou B7, tour C8, petit roque. Ok, fou F4. Et là, E5, je pensais, non. C'est 5. B5, fou E6. Et ok, c'est pas juste pas facile. Cavalier D5, je pense, ou fou prend F6, qui est D5. Ah ouais, fou prend F6, ben prendre D6. Ça va devoir jouer sur ça. Je peux pas jouer, j'ai pris un fils, j'ai pas. C'est trop moche. Un premier 6. C'est 8. C'est position, mais. C'est pas si. En fait, non, ça peut plus être mieux pour les blancs. Souvent, il y a quand même du contre-jeu. Ok, check. Problème. Pion H4 pour empêcher H4 par rapport à H3 peut-être. Je peux pas faire re-essayer non plus. Relier la tour. G3. C'est pas très agréable de jouer. Pas en position. C'est trop. Merci.
8. C'est pour F4, pion prend, je le fou, j'attaque 4. Bon, après, c'est les fous de vouloir reposer potentiellement pour prendre des 5. Et si je peux le forcer à reprendre du pion, ça peut s'orienter à une nulle. Si le G6 tempo, je joue vite en moins. Mais ça joue. Quel roi. Là, après ce qu'il a fait, ça a pris de l'espace. J'ai l'impression que ça m'a laissé des cibles quand même. Genre tour C4. Tour E4, il y a fois F5. Donc tour D4, tour prend, fou prend. Je prends D5, je pense. Et je suis fou ici. Je perds tous les pions. Enfin, je perds B7, je prends D4, je perds A6. J'ai deux pions en moins. Mais je pense que j'ai dû continuer pour la nuit quand même. Ça, il y a tant d'une, non? Je prends B7, je prends D4. D4, je prends 6. Ça, je vois pas donc, c'est pas mieux. Et je me trompe. Je vais raser les deux pions. Case à 8 et les cases blanches en plus. Sur le mieux. Il a fougé un grand. Fougé un B4, faut prendre H2, B5, faut prendre 5, 4. J'ai 5, puis on prend, faut prendre 5, je trouve. J'ai H2. On perd un pion. Ça peut être gagné en fait, pour lui. C'est gagnant, je crois. Parce que... Bah juste il sacrifie quand le fou. Ah ok, mais là c'est mauvaise couleur. Donc si j'arrive à prendre les deux pions avec mon fou... Je pense que ça va être nul, mais c'est pas facile. Je pense. Je vais essayer de mettre le roi actif. Ah, mais c'est très mal joué ce que je fais. C4, fou de G, croix des 5, fou 6. Oui, c'est vrai, c'est complètement perdant, je crois. On est 4, au B3. Roi 5. Il y a 4. Où est-on fini? Ici, je pense. C'est du
un piège, c'est. Voilà, le Maroc qui était. C'était sûrement nul. Voilà, j'ai tout gagné du coup. Hauser, c'est bah, c'est la même idée dans les deux, c'est grand. Et là, qui Québécois, dans les yeux assis. Prends 6, puis on prend 6. Seconde à 3 moments, mais. Plus un puits, puis on prend. Faut juste d'amuser. Cache-cache, tour d'un. Ouais, c'est pas clair. Mais un premier cadre. Ok. Je franchis la mine. Si, fou prend. Je vois. Pas de plan pour moi. B3. Tournant. Il a fait gagner le match, donc faut absolument gagner. Donc je vais
5 et 5. Et en fait, ça marche pas ce que j'ai voulu faire concrètement, quoi. J'ai oublié de dire, tu me prends fois 6, tour 10, tour C3. Fois 4, mais bon, il ne peut pas tenir. Fois 6, tour 2, la menace c'est 4. Ok, je sais pas. Il a baissé un plein, mais je sais vraiment. Je prends 4. Je prends. Okay, j'ai un pion passé. Après B5. Ça m'a l'air bien comment ça quand même. B2, peut-être. PABA. Voilà, je vais absolument gagner tout ça. Bah là, je suis forcément mieux, quoi. Je sais quand même que j'avais un pion d'avance, il y a quelqu'un doublé, mais. Après, ces pions doublés, ils peuvent avoir aussi quand même. Ah, il laisse, ok. Apprends. Bonjour. This is FM Dr. Pipo from France. Bon, là, soit je m'accroche passivement au pion. En vrai, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Il y a fou C1. Ouais, du coup, c'est B6. B6, c'est le coup. Enfin, c'est le coup. B6. Je prends les deux B7. Ah, il y a trois. Hallucination. Ah ouais. Bon, dommage. C'était tendu, hein, mais ça se joue, c'est des matchs courts, hein, donc faut pas se rater. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est important de revenir au score rapidement parce qu'après, après, ça devient compliqué. Mais après, si tu... pardon, ouais. Si tu te fais mener de trop, c'est compliqué, quoi. Enfin, ouais, c'est toujours pareil. Hein. De toute façon, c'est jamais bien d'être mené. Mais en tout cas, c'était vachement agréable à écouter. J'ai trouvé ça super. T'as hyper bien expliqué tes pensées. Donc pour ça, c'était sympa. Bon, pas trop déçu? Ouais, non, c'est pas un peu. Bon, ça arrive. Hallucination, ouais, sur la fin. Mais de toute façon, t'avais pas vraiment de chance de gagner, ouais. Des regrets peut-être? Quelle partie tu regrettes le plus? La partie est celle où j'ai un peu plus, je perds à la fin quand j'ai pris fou 8, quand j'ai G5. Ah ouais. Non, pas celle-là. Celle-là. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle t'a. Oui. Ouais, t'as un pion de plus. Là, on le voit. Il y a des cons. Je pense, d'après là, en tout cas, l'ordinateur. Tu verras peut-être plus tard. Tu sous-estimais peut-être un petit peu la jauge. Ah, du coup, on ne te voit plus du tout. Attends, je vais changer le. Bon, du coup, je vais te changer et te mettre en plus grand quand même. Oula. En fait, on ne te voit plus du tout. Je me suis dit que tu t'étais. Ouais, c'était un peu. Mais t'étais optimiste là, sur celle-là, je trouve. Pardon, je remets le truc. Ouais, mais celle-là était dommage, ouais, effectivement. Ouais, super. Donc, dame C2. Et ouais, après, t'as pas su quoi faire après.
Dame prend, fou prend un 5, pion prend un 5. Ouais, au moins, il n'y a pas de raison de perdre, en fait, cette partie. C'est ça, le truc. Ouais. Et même peut-être pouvoir pousser. Bon. Écoute, merci beaucoup. J'espère qu'on te retrouvera vraiment pour ce Challenger Chess Tour. On verra s'il y a une place, on verra avec toi, selon tes dispos. Mais ça serait vraiment sympa de te retrouver. Parce que là, tu as fait un beau match. Bon, il est fort, hein, Pichot. Il joue quand même très bien. C'est un sérieux client. Bon, et puis c'est la poisse hein, dans cette Banter Blitz Cup pour les Français. 4 Français éliminés à chaque fois au premier tour. Je suis 5e. C'est dimanche contre Ariane Tari. Bon, je vais essayer de gagner au moins un match. Mais c'est pas garanti. Hein. Donc on va voir un match qui est sur le papier et très équilibré en tout cas en termes de Hello. Merci beaucoup d'avoir soutenu Marc-Andrea. On te souhaite le meilleur, évidemment, à Marc-Andrea pour la suite. Merci. Ta magnifique carrière. On rappelle Marc-Andrea, plus jeune grand maître français de tous les temps. 14 ans et 5 jours. C'est exceptionnel. Et voilà. Et sinon, vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver la suite du groupe. Je crois que ton adversaire joue contre Gukesh. Au prochain tour, ce sera un beau match. C'est certain. Merci, Marc-Andrea, et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Thank you.